Santo. Some people dream of success, while you're gonna wake up and work hard yesterday instead of tomorrow. So just... Salut les noobs, aujourd'hui on va faire un petit peu de PvP 1v1 sur le panda. Voilà, ça faisait quelques temps que j'avais envie de tester cette classe en mode full terre avec la baïette Amrotiline. C'est chose faite, on va pouvoir s'équiper en conséquence et voir un petit peu ce qu'il y a en 1v1 sur la bêta. Je devais aussi faire du 1v1 sur un steamer Dopu sur Ophi, sur mon steamer en fait tout simplement. L'ennui c'est que passer je pense 4300 de côte, absolument, peut-être pas tous, mais 9 adversaires sur 10 vont jouer avec du 320 repoule, c'est pas marrant. Hein. D'ailleurs, faire du 1v1 pour tryhard, clairement, c'est pas marrant, je sais pas pourquoi les gens font ça. Je connais quelqu'un, à un moment, sa femme était sur le point d'accoucher, c'était un yop, justement, qui jouait bon de coco vertu, et qui me faisait des fureurs à 200, du coup. Sa femme accouchait, il a dit non, attends, j'ai pas le temps, là. Je suis au tour 15 seulement, il faut que je termine mon colis. Bon, vous constatez quand même qu'il y a un petit problème. Arrêtez de faire du 1v1 en tryhardant votre vie. C'est malsain. Bref, en tout cas, là, encore une fois, on a un mode fun. On n'a pas trop de résistance. C'est pourquoi je vais jouer avec la fermentation. Et puis, note au passage, je vais jouer également avec la dinde pourpre qui me donne un petit peu plus de vita que la dernière fois que j'avais montré un mode Amrotiline. Allez, on est contre un steamer, justement. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas touché au panda 1v1. Alors, j'étais un petit peu solo, en quelque sorte, pendant le Best of 8, où je jouais un panda feu, mais sinon, en V1, j'ai pas fait grand-chose sur le panda. Alors, les résistances de l'adversaire sont correctes, hein, y a pas d'ivoire, non, c'est même assez faible. On va s'avancer tranquillement en boostant le tutu. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais fermentation, ça va me booster un petit peu. Double cac. Et puis je vais le pousser de sorte à ce que mon Wasta puisse l'avoir au contact. Je vais m'abriter ici. Bon, c'est rien, on a un steamer qui teste et sort. Du coup, j'essaie de vous trouver un autre combat parce qu'il n'y a pas grand intérêt à rester sur celui-ci. On est contre un Upper Mage R apparemment. Il n'a pas de Dofus Ivoire. Tant pis pour lui. Et 15% neutre. Bon, ça va. Ça va, ça va. 27% terre. On verra. Bon, par contre, ne faites pas ça chez vous. Hein. C'est-à-dire que le panda avec la baguette Amrotiline, c'est pas ce que je conseillerais le plus. Alors, c'est important hein, l'APO sur un panda. Sinon, vous ne pouvez pas envoyer votre Wasta très loin. Après, vous autres, peut-être que vous jouez avec la variante, qui est le bambou. Hein. Bon, moi, j'ai pas tellement envie. On va pouvoir placer quelques dégâts. Est-ce que c'est mieux de pan attaque avant ou après? On va pan attaque après. Donc, pour rappel, c'est vrai qu'on m'avait posé la question, pourquoi est-ce qu'il faut faire les sorts les plus gros avant les plus petits, c'est parce que vous gagnez des pourcentages de dégâts en fonction de vos CC grâce à votre Dofus Turquoise. Donc l'idéal, c'est de gagner 1% de dégâts sur un sort qui tape 1000 plutôt qu'un sort qui tape 100. Donc essayez de faire les sorts les plus petits. C'est vrai que moi au début, j'avais pas forcément ce réflexe-là non plus. Alors je sais pas si c'est vraiment bénef hein, d'avoir invoqué ce Wasta, puisque ça lui offre à chaque fois des zones pour se régénérer. Bon, à part ça, sur notre perso, là, vous allez dire, je spam la fermentation, un petit peu obligé. C'est le seul sort safe que je possède actuellement. J'ai même pas mis la picole, hein, j'ai mis la bombance, pour m'offrir un rush plus facile. Mais du coup, bon, laissez-moi fermentation. Ça suffit, oui.
Ok, ça passe. Bon, il m'a pas tellement gratté mes points de vie. Je sais pas pourquoi, il a tenté à chaque fois de me retirer des PA plutôt que vraiment de passer en full burst. Bon, déjà que l'Uppermage, actuellement, il est à ce niveau-là, hein, dans PvP. Le seul élément qui serait viable, ce serait Andopou. Donc maintenant, si on veut faire du retrait avec, c'est pas trop ça, quoi. Alors, contre un Faker, on va s'empresser de mettre la souillure. Je l'ai, c'est bon. Tiens, j'ai deux fois stab d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. 8% neutre, c'est bien ça, c'est sympa de sa part. On va avancer tout ce qu'on peut. En fait, j'ai qu'une invocation et j'ai pas pu ébriqueter. C'est la variante du tonneau, ça, et ça booste puissance, donc ça peut être intéressant. Bon, je suis désolé, hein, les dégâts sont pas forcément là. De son côté, il me retire hein, des PA toujours, mais il n'a plus de shield maintenant. Donc ça devrait aller. Par contre, on notera que c'est un Faker qui joue avec le retour du bâton, hein, et pas la tétanie. Donc on n'a pas une volonté de sa part de faire du retrait en masse, et c'est agréable. Bon, il en fait quand même un petit peu, hein. Mais ça, on peut pas lui en vouloir. Bon, par contre, si on se balance la balle à chaque fois en mode full taper, je suis pas à mon avantage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un repli stratégique. On va refaire la maîtrise pour le tour prochain. Bon, j'ai clairement aucun intérêt ici à rusher, donc encore une fois, je vais essayer de me soigner comme je peux avec une petite cavotte. J'ai l'avantage, il vient de relancer la fortification, je vais pas aller me suicider, tout simplement. Bon, c'était quand même tendu hein, ce match, bien joué à lui, c'est vrai qu'on a été tous les deux très agressifs, je pense qu'il a utilisé environ 6 sorts hein, en tout, pas plus que ça, et moi ça doit être à peu près pareil, en tout cas, c'était pas le combat le plus stratégique que vous avez pu voir sur la chaîne. Alors on est contre un Xelor cette fois-ci, Xelor avec un Dofus Ivoire, 14% neutre, ça va, et 27% terre, c'est un Xelor agi apparemment. Alors on va avancer sinueusement, donc comment on fait pour avancer sinueusement? Ça marche par paire. Donc 2 PM par-ci, 2 PM par-là, hop, hop, hop. On va mettre un petit tonneau ici, la petite bombance et la fermentation. Ce sera toujours ça pour le tour prochain. Alors le premier est passé en crit et le deuxième en non-crit. La différence de dégâts est pas énorme, hein. Ceci dit, il y a combien de récrits? Il y a 41.
Non, on est sur un cas qui n'est pas ultra aléatoire. Enfin, je pensais que c'était plus aléatoire que ça, en tout cas. Bon, j'aurais dû faire autrement mon tour, j'étais pas sûr de tuer la synchro, alors qu'en fait je la tue à tous les coups, même si je tapais ici quoi. Bon, si vous voyez pas de quoi je parlais, c'est pas grave, dites-vous que j'ai super bien joué et que j'ai juste quelques remords pour pas grand chose. Bon, on a un Xelor qui fait quand même quelques dégâts, donc je vais mettre ma fermentation, on va le pousser gentiment. On va le pousser de cette manière, comme ça on vire son ivoire, et on le tape. Bon, je fais pas énormément de crit, hein. Je sais pas pourquoi, faudra voir combien de pourcentage j'ai en CC. On a un Xelor qui jette l'éponge, je vais pouvoir l'achever sans trop de difficulté. Hop. Bon, je vais quand même regarder avant de clôturer la vidéo à combien de pourcentage de CC je suis sur la baguette. Je suis à 30% de base et j'ai 49 CC, donc je suis quand même à 80% de chance de crit sur la baguette. Et j'ai fait quand même pas mal de tours en non-crit. Hein. Donc là, plus que la taxe qui est à payer, c'est le soutien qui est nécessaire. Et pour ça, vous avez juste à laisser un pouce bleu. Je remercie les tipeurs au passage. Logiquement, il y a un live ce soir sur la chaîne Twitch. Alors on se dit à très vite.